Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que je suis en partenariat avec Instant Gaming, c'est le site de jeux vidéo à tarif réduit, beaucoup de promotions, vous pouvez retrouver le lien dans la description de cette vidéo, des cartes PSN 50€ à seulement 43,99€, et il en va de même pour les cartes PSN 20€ à seulement 17,99€, alors faites-vous plaisir, et n'oubliez pas que vous pouvez encore tenter de remporter le jeu de votre choix en participant au jeu concours Instant Gaming, encore une fois, le lien est dans la description pour y participer. Yeah! Yo tout le monde, ça fait le geek, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu de Dragon Ball Legends, on va partir en invocation, et oui, parce que Dims et Bandai Namco, ils sont trop forts, Toshi, il est trop fort, les amis, nouveau portail Legends Return qui est arrivé avec Goji Tada, Super Saiyajin, Fonda, et également Gohan et CJ2, et les Revive, deux grosses unités qui arrivent comme ça en Legends Return, seulement pour 4 jours, hein, c'est marqué ici, là, 4 jours, ça se termine le 1er novembre, bon, bah... Voilà quoi, tu vois ce que je veux dire? Là, voilà, le cœur parle, la team des poilus, bah, vous savez, hein, voilà, vous le voyez bien, là, Gogeta là, du Goku 4, du Goku 4, du Vegeta 4, je kiffe les poilus, je kiffe en plus le fameux Gogeta SSJ 4 LF dans ce jeu. Je vous parle même pas de l'équipement, voilà, qui est arrivé. Bien évidemment, on sera en live à 18h sur la chaîne YouTube pour aller farmer l'équipement unique de ce fameux Gogeta SSJ 4. On va essayer de l'avoir en Z+, ça serait vraiment top de l'obtenir comme ça. Et d'ailleurs, comme ça, ça pourra également faire un tutoriel en plein live pour obtenir l'équipement Z+, du fameux Gogeta 4 LF pour les nouveaux joueurs. Bon, parlons peu, parlons bien. N'oublions pas également qu'il y a un nouveau portail Legends All-Star qui va débarquer ce week-end avec le Piccolo qui avait été teasé dans le V-Jump, avec ses bras, tout ça qui s'allonge, du film couleur, et bien évidemment accompagné de Goku Super Saiyajin du film La Revanche de Couleur également. Et franchement, je trouve qu'il est super bien réalisé. On en parlera en live, on regardera le gameplay en live à 18h. Les amis, on est parti pour les invocations sur ce portail Legends Return. Donc voilà, si on voit Broly, on est content. Parce que s'il y a Broly, c'est soit le Gohan SSJ de Revive, soit le Gogeta 4. Et après, il y a quand même Vegeto Blue, type violet, qui est très fort. Kefla, type rouge, très forte également. Gogeta 4 Zenkai, bon, moi j'ai déjà 14 étoiles, donc j'en ai pas besoin. Trunks, moi j'aimerais bien, moi je le kiffe, hein, ce Trunks type vert. Great Saiyaman, ok. Gohan SSJ2 Zenkai type violet, pourquoi pas avoir des étoiles également dessus. Yajirobe, très bonne unité également. Et voilà, donc là si on a un Kintoon, on est plutôt pas mal. Après, faut pas que ce soit du Great Saiyaman ou quoi, tu vois, ou un Gogeta Zenkai que j'ai déjà 14 étoiles, j'aurais un petit peu amer. Bref, les amis, on a 0,5% de chance d'obtenir Gogeta et 0,5% de chance d'obtenir Gohan LF Revive, ce qui fait 1% de chance par invocation d'obtenir un LF. C'est pas ouf. On va se mentir, c'est pas ouf. Sait-on jamais. J'ai 6000 cristaux. On va d'abord commencer par une petite single à 20. Tiens, vas-y, celle-là. Hop. Yeah! Allez, c'est parti. Et comme d'hab, max de pouces bleus, les amis. N'hésitez pas également à vous follow à ma chaîne Twitch qui est juste ici, Sofiane Geek. Le lien est dans la description de cette vidéo. Et on fait pas mal de FIFA en ce moment. Et on ira encore en faire aujourd'hui. Peut-être même cet après-midi. On verra si j'ai le temps. Voilà, parce que j'ai quand même pas mal de choses à faire. Si j'ai le temps, on en fera cet après-midi du FIFA 22 sur la chaîne Twitch. Et on verra un petit peu comment ça se passe. Alors, Aniex, Guldo. Osef, Guldo, foutement d'ici. On s'en fout de toi. Pareil, j'ai oublié de le préciser, dans le Legends Return, il y a à chaque multi-invocation 1000 cristaux, un sparking garanti, quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est plutôt cool. Bon, bah là, il n'y a rien. Voilà, hop, let's go. Ok, j'ai pas pu avoir de sparking sur une petite single. Il n'y a que Ludivine qui y arrive. Hein. Luck Divine, comme d'habitude. Bon, ok, allez, vous voyez, sparking garanti. Hein. J'ai oublié de le préciser, mais c'est sparking garanti à chaque fois qu'on invoque. On est parti. 3, 2, 1. Yeah! Allez, Gogeta 4, Gohan LF Revive. Donne-moi un bon truc. Donne-moi un bon truc. Let's go. Namek en feu, 5 capsules. Ok. Super Saiyajin. Très bien. C'est pas mal l'animation. Il se fait déboîter. Est-ce qu'on pourra avoir Whis? Non, on n'a pas Whis. Ok, ça sera sparking garanti. J'ai vraiment cru à Whis, comme il s'était fait déboîter le Goku. Je me suis dit, Freezer va peut-être prendre le dessus. Et finalement, non. Yamcha-san. Ok, héros. Chaozu. Ok. Zarben. Sparking. Vegito. Transfo. Type jaune. On prend. Là, on va avoir deux sparking. Parce que quand il y a sparking garanti,
c'est la dernière, enfin le dernier personnage qui est Sparking garanti. Donc tous les Sparking que tu as avant, du coup, ils sont directement supplémentaires. Voilà, ce sont des Sparking supplémentaires. Je trouvais pas mes mots. Ça va bien se passer, Sofiane. Ça va bien se passer. Je suis en stress. Je veux Gogeta 4 et Gohan Elf Revive. Même si je les ai déjà, je les veux en doublon. On veut des doublons. Broly EX, ok. C'est 19. Deuxième. Metal Cooler, type vert. Très bonne unité, mais bon, je l'ai déjà bien étoilé à 13 étoiles, je crois. Ok. Lui, par contre, c'est bien. Du coup, il est passé 13 étoiles également. Parce que là, du coup, le Cooler, si je dis pas de bêtises, ouais, il est déjà 13. Encore un doublon, il sera 14. Bon, on prend. Ça reste quand même un très, très bon personnage. Let's go. 3, 2, 1. Yeah! Allez, c'est parti. Allez, le jeu. Allez, fais plaisir. Fais plaisir. Fais plaisir, s'il te plaît. Ah bah là, il n'y a pas de capsule. Là, il n'y a pas de capsule, frère. On sait que c'est Sparking garanti, heureusement. Il esquive. Ça sent le fake out. Voilà, il n'y a rien. Enfin, dans l'animation, en tout cas, l'animation, elle est éclatée au sol. Du coup, il va y avoir du fake out. Bon, on prendra le fake out. Hein. C'est x2. Sauf qu'on n'est pas en duel invocation. Il n'y a pas les divines avec moi. Donc là, le x2 fake out, il ne sert à rien. Ça, faut me donner ça quand je suis avec Ludivine. Hein. Pas... voilà. Ah, ben, il y en aura deux. Eh ben, je prends Trunks. Je prends Trunks, type vert du film. L'offensive... du film Mercenaires de l'espace. Qu'est-ce que je raconte, l'offensive des cyborgs, moi. Du film Les Mercenaires de l'espace. Avec le beau Jack. Quand il est face à Goku. Donc là, on va avoir également un deuxième Sparking en fake out, du coup. Et voilà, en fake out. Broly, SSJ, je prends. Franchement, encore deux Sparking, hein. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est bien. Du coup, il y a 8 étoiles et tout. Franchement, c'est bien. Je ne vais pas me plaindre. Franchement, c'est très bien. Le Broly qui passe 10 étoiles également, c'est très bien. Ok. Ça fait 2 multi-invocations. En 2 multi-invocations, 4 Sparking. C'est pas mal, quand même. Franchement, c'est pas mal. Allez, 3, 2, 1. Yeah! Allez, et on n'oublie pas, hein, le Omega Shenron Ultra est arrivé, hein, gratuitement à farmer sur le jeu. Également, on ira bien évidemment le farmer en même temps que le live à 18h. Il y a beaucoup de choses à faire à 18h en live. Hein. Il y a vraiment beaucoup de choses. Hein. On a quand même pas mal de choses. Ok, quand on a téléporté. Est-ce qu'on peut avoir un LF là-dessus? Est-ce qu'on peut avoir un LF là-dessus? Sait-on jamais, Kamessine. Oh, un Sparking. Goku pieds nus. Il y en a un deuxième, du coup. Voire troisième, qui sait. Ah bah, il y en aura un, trois. Omega Shenron, que j'ai déjà 14 étoiles. Oh, Goku Blue Revive. Ah putain, mais il va y avoir 4 Sparking là-dedans. Incroyable. Cette multi, elle est incroyable. Goku Blue Revive, je prends. Hein. Excellente unité. Hein. Excellente unité. Toujours intéressant de voir des animations Kamehameha, téléportation, tout ça, tu vois, toujours après, t'as du lourd de ouf. Quatrième Sparking, Jiren. Bah écoutez, elle est loin d'être dégueu, hein. Elle est loin d'être dégueu, et Jiren qui va passer 14 étoiles, je crois. Ok, déjà lui, 11 étoiles. Et Jiren, 14 étoiles. Ah, lui aussi... c'est plutôt pas mal, les gars, j'ai envie de vous dire. Là, c'est... là, on est sur un truc qui est plutôt pas mal. Là, c'est intéressant, là. Surtout que le topo, je l'ai eu 14 étoiles également, je crois, lors de mon duel invocation Happy Weekend contre Ludivine lundi. Donc là, plus ce Jiren, 14 étoiles également, il y a moyen de faire une bête de team. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bon, on continue. En vrai de vrai, c'est pas mal, quand même, ce que j'arrive à voir en unité, là. 4 Sparking dans une multi, franchement, on prend. 3, 2... yeah. Allez, c'est parti. Allez, maintenant un petit LF, tu vois. Un petit Gohan ou un petit Gogeta. Franchement. Encore Tao Pai Pai, Namek en feu. On sait jamais. Après, si jamais on verrait Broly, là, c'est la cerise sur le gâteau. Parce que Broly, faut... on pourrait voir aussi un Genkidama. Un Genkidama, ça peut annoncer du lourd. Yeah. Let's go. Ça peut annoncer du lourd. Ça peut annoncer un LF. Ça peut annoncer un LF, un Genkidama. Ok. Jis. Après, Ginyu, Jis. Pan. Très bien.
Guldo, Ginyu, Jizz, Guldo. On fait toute l'armée de Freezer là ou. Ok, Tenshinhan. Tenshinhan encore. Oh, Baby Vegeta comme ça en EX, c'est pas souvent qu'il tombe. Gohan Ultime. Wow. Un Genki Dama pour Gohan Ultime type bleu. Wow, franchement, frère, tu pouvais le garder ton Genki Dama. Il pouvait garder son Genki Dama. Très bien. Deux multi pour rentrer dans la légende, les amis. Max 2 pouces bleus comme d'habitude sur cette vidéo. Je compte sur vous et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. 3, 2, 1. Yeah! Et encore une fois, hein, je dis abonnez-vous à la chaîne YouTube, mais également à la chaîne Twitch. Le lien est dans la description, les frérots. 3 capsules. C'est pas ouf ça. 3 capsules, les 3 capsules, j'aime pas, mais de toute façon, c'est Sparking Guarantee. Mais je déteste cette animation. Cette animation, elle est pas. Elle est pas ouf. Broly? Non. Non, il n'y a pas de Broly. Il prend le dessus, très bien, normal. Allez, fais-nous plaisir. Fais-nous plaisir le jeu. Fais-nous plaisir. Nappa. Balt. Goku. Rikum. Salut. Dabala. Oh, c'est pas ouf, hein. Là, c'est pas ouf du tout, hein. Non! Ah, je l'ai passé vite, hein! Ah, je l'ai passé vite, celui-là! Mais, vous voyez ou pas? Freezer, ok. Vous voyez ou pas? Vous voyez ou pas? Chaque vidéo invocation. C'est pas moi. Chaque vidéo invocation, celle couche-culotte Pampers. D'accord? Regarde. 13 étoiles. Qui a celle couche-culotte 13 étoiles? Qui? Qui? Non, mais... Chaque vidéo invocation, les frères. Chaque vidéo invocation, vous voyez celle couche-culotte. Vrai ou faux? Dites-le moi dans les commentaires. Voilà. Il me troll. Il me troll. Et le sel élève ne veut pas venir. Mais par contre, lui, le sel dégueulasse, là, avec l'artwork dégueulasse et sa grosse couche, là, lui, vient. Ah, c'est bon. 13 étoiles. Non, mais on va où? 13 étoiles, le sel couche-culotte, sans déconner, sur un IEX. Très bien. Tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Allez, 3, 2, 1. Yeah! Allez, c'est parti! Let's go! Fais péter une bête d'animation là! T'en veux pas, pareil, c'est pas la bête d'animation, mais sait-on jamais! Sait-on jamais! Ça se neutralise! Glissé or! SSJ! Et le défense! Très bien! Bon! Bon, bon, bon! Alors, les personnages sont de retour! Gogeta 4, Gohan LF Revive, Gohan SCJ 2 LF Revive, mais ils sont où en fait? On n'a pas le droit d'avoir de la chance nous? On n'a pas le droit d'avoir un petit peu de chance? Chaozu, Goku, Paikuan, Piccolo, Yamcha. Allez, LF ou pas? LF ou pas? Goku Super Kaioken, bon, on va prendre. C'est pas dégueu non plus, quand même. Le Goku Super Kaioken, on va prendre. Il monte en étoile, il va être à 11 étoiles, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, c'est ça, 11 étoiles. C'est pas une unité dégueulasse, mais il n'y a pas eu de LF, les amis. Donc voilà, on se retrouvera en live à 18h sur la chaîne YouTube pour aller farm Omega Shenron, pour aller farm l'équipement unique du Gogeta SCJ 4 et espérer l'avoir en Z+. Ça serait déjà vraiment une très bonne chose. Et puis bon, bah voilà, si vous êtes free-to-play... Doucement, vous voyez, moi voilà, je paye dans le jeu, donc je me permets, mais si vous êtes free to play, n'oubliez pas qu'il y a le Black Friday dans moins d'un mois, les grosses célébrations de fin d'année arrivent, les personnages ultra premium à invoquer vont également arriver prochainement, donc calmons-nous, et abonnez-vous à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait, en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications, et n'hésitez pas également, Instant Gaming dans la description de cette vidéo pour participer gratuitement au jeu concours pour tenter de remporter le jeu de votre choix ou vous faire plaisir tout simplement à acheter des jeux pas trop chers en promotion. N'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Hey les gars, vous s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super! Non, yeah!